L'enjeu est énorme pour l'entraîneur qui fait ses débuts. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match sur eSports. Bienvenue à tout le monde, nous sommes à Milan dans ce magnifique stade de San Siro où la pluie, vous le voyez, a décidé de s'inviter. À mes côtés, Pierre Ménès, Valentino Servemadou, on est prêt. La Coupe européenne internationale qui s'ouvre aujourd'hui pour ces deux clubs avec cette première rencontre de groupe. On peut s'attendre à tout, hein, Pierre. Ouais, premier match de préparation pour cette équipe, l'occasion de se remettre un petit peu dans le rythme de la compétition. Il s'infiltre, attention. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il s'en sort, hein, sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu quand même. Attention à cette action. En deux temps, peut-être ce corner. Chercher une solution là. Bien repoussé par la défense. Et ce sera encore un corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Il porte le ballon. Il cherche la solution. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but! Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Ah, il est bien tiré le corner là. Elle s'est gâché. Et le dernier mot pour le gardien. Ah, la passe est interceptée, ballon est perdu. Alors il y a du nouveau hein, dans le club, avec bien sûr l'arrivée d'un nouvel entraîneur et de nouvelles ambitions du coup. Ouais, Hervé, sûrement, mais bon, on connaît le personnage. Ah, il va être dur à rattraper, là, attention. Et le but, le premier but du match, le voici. Contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Bon, sur ce coup, le gardien est aux fraises. Premier poteau, ça pardonne pas. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Comunicazione di servizio. Il signor Manuel Leone è pregato di mettersi in contatto con la propria famiglia. Grazie. Ouais, il lui donne carrément. Oh, le gros exploit personnel, attention. Oh, c'est pas fini, attention! Le gardien qui repousse, il y a toujours danger! Il gagne du terrain, le centre, il a vu ses coéquipiers, et le gardien qui remporte son duel! Sadio Kumar. Ouais, bien joué par-dessus. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, bien défendu. Attention, il faut le dégager vite ce ballon. Attention à la contre-attaque. Ouais, c'est un peu précipité là. C'est bien joué défensivement, bien vu. La pluie qui a fait son apparition hein, pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui sont. Allez, prends sa chance. Oh, c'est repoussé par le montant. Robert Tonnet. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Lucas Mecha. Oh, la bonne occasion. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ah, c'est bien donné ce ballon. Le gardien qui repousse, attention. Il a joué la sûreté hein, sur ce dégagement.
Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Une minute de temps additionnel. Oh, cadeau. Il avance encore. Ils reprennent possession du ballon. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de... Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Et rappelons qu'il s'agit du premier match de groupe de la Coupe européenne internationale. Ah non, c'est pas bien fait ça. Lucas Mecha. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Et l'actualité, c'est bien évidemment cette rumeur de transfert. On essaie simplement de faire monter les enchères avec cette bonne guerre. Une balle d'égalisation. Et c'est le but. L'égalisation. C'est du temps ralenti, donc on aura quand même une pensée pour le gardien. Dans un premier temps, il réussit un super arrêt. Et son problème, c'est juste qu'il n'anticipe pas le retour des attaquants. On voit sur ces images, les deux équipes se partagent la possession du ballon. Ils se créent pas mal d'occasions et elles ont déjà trouvé le chemin des filets. Elles ont toutes les deux encore toutes leurs chances de gagner. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Sadio Koumar. Ah non, la mauvaise passe. On va avoir des changements dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Lucas Mecha. Ouais, c'est propre ça. Oh, heureusement qu'il était là. La petite passe en cloche. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Va-t-il parvenir à centrer? Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Attention à ne pas avoir de regrets à la fin du match. Cette équipe devrait mener à la marque là. Tenez. Petrovic. Sadio Koumar. Ballon qui est rendu au camp adverse. Il glisse ce ballon en profondeur. Ah ouais, bien donné en profondeur. Ouais, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Ensuite, grosse démonstration de force malgré la pression de la défense. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser, hein. João Carvalho. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Sadio Koumar. Il est en train de remonter. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Non, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Essaye de trouver la faille. La part vers le second poteau. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite.
Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Un joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Prochain arrêt de jeu, je pense. Oh, le but ! Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher pour le gardien. Le gardien qui s'incline sur cette frappe extrêmement précise. Ce genre de ballon est quasi impossible à aller chercher. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Alex Centelles. Elle est contrée cette frappe. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Jao Carvalho. Une frappe lourde, mais qui passe loin du cadre. Mais pourquoi il ne s'applique pas un peu là-dessus ? Voilà, c'est terminé, la fin du match, Pierre, et donc la victoire à domicile. Ouais, on compte sacrément indécise, mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. À mes côtés, Pierre Ménès, Valentino Servomatou, on est prêt. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe, Nottingham Forest contre Anderlecht. Oui, voilà deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout, car même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner, de soulever le trophée avec, de soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. Lucas Mecha, oh, il l'a bien vu, c'est bien joué. Oh, le but peut-être. Oh, l'arrêt, quel arrêt spectaculaire. Ah, il fallait le sortir celui-là. Hein. Ouais, à cette distance, on pouvait penser qu'il perdrait ce duel. Attention le tir. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue pas grand-chose parfois. Hein. Oh, il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. La passe est coupée et bien défendue. Le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. On entre dans la zone dangereuse. Il fallait le récupérer. Et à ce ballon, le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Lucas Mecha,
Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Non, sans problème pour le gardien. Et ce sera un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Oh, c'est bien défendu. L'architecture du stade qui accueille cette rencontre n'a rien de révolutionnaire, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est un stade omnisport avec une immense piste d'athlétisme tout autour de la pelouse. Alors évidemment, on voit pas grand chose. Krovinović. Oh, cadeau. Lucas Mecha. Il s'est ouvert le chemin du but. Ça peut donner quelque chose, ça. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Adrien très belle. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Le gardien qui était là. Bravo, bien joué. Ouais, parce que ça partait bien, je la voyais déjà au fond, mais il a fait ce qu'il fallait là-dessus. Et le tireur qui a visé à la zone du point de penalty. C'est repoussé par le gardien. Attention, la contre-attaque. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Et l'intervention du gardien, ça c'est bien joué. Une belle parade et pourtant il avait tout à perdre sur cette action. Un mauvais dégagement, mal fait. Le ballon qui change de camp. L'entraîneur qui visiblement a demandé du pressing. Ouais, faute évidente. Allez, on s'arrête à peine de jouer, c'est bien vu. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Et l'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement. Ballon rendu à l'adversaire. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but. 1-0 à la mi-temps. C'est parti pour 45 nouvelles minutes dans ce deuxième match de groupe de la Coupe européenne internationale. Et on l'espère, 45 minutes de précieux enseignements pour tout le monde. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Va changer de camp. Ah oui, la bonne passe. Attention, ça peut faire but. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Alors, on va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. Le ballon qui passe au premier poteau. Le gardien est trop statique sur sa ligne pour pouvoir intervenir. Interdit le premier poteau. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ouais, on passe par les côtés. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Adrien très belle. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, va
à la surface, il y a du monde. Allez, ballon qui est dégagé. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Lucas Mecha. On s'approche de la zone de vérité. A complètement manqué ce centre et qui file direct en touche. Krovinovic. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Verscharen. Pas de souci pour le gardien. Ah, le ballon qui sort et nouveau corner donc. Ah, il est bien parti ce corner. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Et non, le tir qui est contré. Fouad Bachirou. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Contact. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Fouad Bachirou. La passe qui va directement en touche. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Lucas Mecha. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Beaucoup d'espace devant. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, de la tête, c'est superbe. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Et puis le ballon qui arrive sur la tête. Même pas eu besoin de sauter pour marquer, tu te rends compte. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, non, il m'a fait mentir. Il est bien placé, peut centrer. Cherche une solution, là. Il a bien failli corser l'addition sur ce coup. L'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur. Qui peur. Oh, le but peut-être. Oh, l'arrêt, quel arrêt spectaculaire. Ah, il fallait le sortir celui-là. Ouais, à cette distance, on pouvait penser qu'il perdait.